En quoi Jeffrey Dahmer se distingue-t-il des autres serial killers américains? Y a-t-il une spécificité Jeffrey Dahmer, dans la mesure où c'est un peu une superstar, entre guillemets, dans son domaine? Jeffrey Dahmer est probablement, avec Ted Bundy, le plus célèbre de tous les serial killers américains. Peut-être parce que il réunit sur son propre cas un catalogue de perversions absolument incroyable. Depuis le premier meurtre qu'il a commis à l'âge de 18 ans en 1978, jusqu'à son arrestation en 1991, il tue 17 victimes, mais pour certaines d'entre elles, pour la première notamment, il a bu le sang de sa victime. Donc on peut dire qu'en quelque sorte, il y a un acte de vampirisme. Par la suite, il est fasciné déjà dès son adolescence, dès l'âge de 15-16 ans. Par une séance de dissection en classe d'un cochon qui le marque, et il est fasciné par la couleur des viscères. Et dès sa première victime de 1978, un jeune autostoppeur qui l'étrangle avec des haltères notamment, et qu'il démembre ensuite pour couper la tête, il pose la tête entre autres sur le sol de la salle de bain de la maison de ses parents pour se masturber devant la tête coupée. Par la suite, il va découper l'estomac de sa victime qui est décédée et faire l'amour avec les viscères. Et c'est quelque chose qu'on le retrouve. Un acte qu'il commet de nécrophilie pour toutes ses autres victimes par la suite. Il a commis à deux reprises aussi des actes de cannibalisme. À une des victimes, il arrache le cœur. Il découpe aussi des parties des biceps, les coupe en petits morceaux, les congèle. Et puis par la suite, je crois, la semaine suivante, il décongèle le biceps coupé en petits morceaux, le cœur, pour les dévorer. Et ça, il le fait à deux reprises. Il garde aussi un certain nombre de parties de corps qu'il a complètement désossées, démembrées. Certaines parties de corps, à la fin, vers 90-91, à la fin de sa série de crimes, sont dissous dans des barils d'acide. Mais il récupère les os et les têtes toujours. Et il va utiliser avec du spray, il va décorer par exemple les crânes, parce qu'il avait pour but, au moment de son arrestation, on a retrouvé chez lui d'ailleurs un plan d'un hôtel à caractère satanique qu'il voulait élaborer tout en noir, avec une table tout en noir, des lumières noires, parce qu'il espérait, en disposant ses crânes d'une certaine façon, pouvoir acquérir des pouvoirs surnaturels et lui permettre de séduire plus facilement les homosexuels. Peut-on dire que Ted Bundy est avec Jeffrey Dahmer parmi justement les grandes vedettes du crime en série? Ils sont beaux gosses, ils ont un côté glamour, disons en apparence. Peut-on dire que ces deux-là ont contribué à leur notoriété? Ted Bundy était vraiment beau gosse, hein. En fait, Jeffrey Dahmer, quand vous le voyez, comme c'est m'est arrivé de le rencontrer quelques mois avant qu'il se fasse tuer en prison, après qu'il était condamné, en fait, j'étais très frappé par le fait que c'était vraiment quelqu'un qui n'avait absolument pas l'ombre d'une personnalité. C'est probablement, je dirais, le serial killer le plus banal que j'ai pu rencontrer. Lors de mes tête-à-tête avec lui, j'étais frappé par le fait qu'il me regardait jamais droit dans les yeux. Je devais quasiment lui arracher les paroles de la bouche. Et puis dès qu'il prononçait une phrase ou quelques mots, il s'arrêtait. Donc ça rendait les conversations et l'entretien extrêmement difficiles. Il était quasiment extrêmement timide. Ça m'a beaucoup frappé. Il parlait avec une voix un peu nasillarde. Il s'exprimait très bien.
Mais c'était quelqu'un d'une banalité, d'un manque de personnalité totale, ce qui vraiment crée le décalage avec les atrocités qu'il a pu commettre. Parce qu'outre ses actes de vampirisme, de cannibalisme, de nécrophilie, n'oublions pas qu'il a voulu, on dirait presque un film italien d'horreur, transformer ses victimes en zombies. Parce que son mode opératoire, c'était de draguer des victimes dans des bars gays contre rémunération pour prendre des photos plus ou moins déshabillées. Il leur proposait de boire de la bière et à chaque fois, il mettait 5 comprimés d'un somnifère parce qu'il avait pendant des mois expérimenté pour savoir quel était le dosage exact pour que les personnes perdent connaissance au bout d'une demi-heure. Et pendant cette demi-heure, il poursuivait la conversation avec sa victime potentielle, tout en passant des extraits de ses deux films favoris, enfin la trilogie Star Wars, parce qu'il était absolument fasciné par le personnage de Dark Vador. Donc il se repassait en boucle toutes les séquences, toujours avec Dark Vador, parce que ce qui le fascinait, c'était la puissance et le contrôle. Le contrôle de ses victimes, et donc dans le personnage de Dark Vador, c'est quelqu'un qui représente la force obscure. Et lui s'identifiait tout à fait au personnage de Dark Vador, au point qu'il allait, quand il draguait ses victimes dans des bars gays, il s'était acheté des lentilles colorées en jaune pour avoir le même regard que Dark Vador dans la trilogie des Star Wars. Et autre film qui passait aussi fréquemment, qui le fascinait totalement, c'était L'Exorciste 3. Donc notamment toutes les séquences dans la cellule où George C. Scott vient rencontrer le tueur, je crois qu'il est interprété par Brad Dourif, et là aussi il était fasciné par le personnage de Brad Dourif et il passait ses séquences en boucle quasiment tous les jours. Et notamment auprès de ses victimes potentielles. Et pour en revenir à cette création de zombies, une fois que ses victimes avaient perdu connaissance, à deux reprises, il a creusé un trou dans le crâne à travers l'os temporal des victimes pour leur injecter d'abord de l'acide, parce qu'il espérait réduire à néant toute possibilité de réaction et de réflexion chez les victimes pour les transformer en esclaves sexuels dociles. Parce qu'il l'a exprimé auprès des policiers, lors des interrogatoires et auprès de moi. Ce qu'il ne supportait pas, c'est que ces rencontres d'un jour le quittent le lendemain matin. Et lui, au contraire, contrairement à certains autres serial killers, comme Ted Bundy ou par exemple John Wayne Gacy, qui s'attaquait aussi à des jeunes adolescents qui démembraient, torturaient, comme Jeffrey Dahmer. Lui détestait, John Wayne Gacy, le fait d'être homosexuel et il haïssait ses victimes. Alors que curieusement, Jeffrey Dahmer aimait, entre guillemets, bien évidemment, ses victimes, puisqu'il voulait les garder à tout jamais auprès de lui. Alors la première victime est décédée, à qui il a injecté de l'acide. La deuxième, il a dosé un peu moins, il a versé de l'huile bouillante avec une seringue ensuite dans le crâne et vous imaginez, la victime est restée malgré tout consciente pendant près d'une journée avant de décéder. Donc il a arrêté ses expérimentations pour transformer ses victimes en zombies, esclaves sexuels. Et par la suite, il voulait, au moment où il a été arrêté, où il commençait à se déstructurer totalement et à perdre les pédales, tout en étant conscient de la portée de ses actes, utiliser la sorcellerie pour éventuellement se créer des esclaves sexuels qui se plieraient à ses moindres désirs. Disons qu'il avait un pied dans le mouvement gothique, en quelque sorte, à travers cette fascination pour le satanisme, les zombies, toute cette frange du surnaturel le fascinait. Le fascinait, mais de façon tout à fait accessoire. Pour lui, c'était pas son univers. Hein. J'ai visité son appartement peu de temps après, il n'y avait quasiment pas de livres sur la sorcellerie. Il y avait un grand aquarium noir avec des poissons exotiques. Il y avait au mur partout des photos de beaux mâles semi-dénudés.
Un sofa, en fait, il n'y avait plus les barils d'acide puisqu'ils avaient été emportés par les policiers. Pas plus qu'il y avait ce fameux frigidaire où on a découvert une tête coupée et des mains coupées, ni le congélateur où il avait gardé un certain nombre de membres de ses victimes. Et il photographiait aussi beaucoup avec des Polaroïdes toutes les opérations de démembrement qu'il effectuait sur ses victimes. Et il avait commencé un peu à agir un peu comme le docteur Frankenstein, à partir des os récupérés à des victimes différentes. Il s'était fabriqué un squelette humain. Et ce squelette, malheureusement, il avait du mal en utilisant la superglue à le faire tenir. Donc, il avait utilisé par la suite une autre victime qu'il avait totalement, dont il avait enlevé toute la chair, blanchi les os. Et il prenait une douche avec le squelette accroché au pommeau de sa douche. Vous voyez que ces perversions allaient quand même extrêmement loin, comparativement à d'autres serial killers. Pourquoi? Comment les explique-t-on ces perversions exactement? Y a-t-il quelque chose durant son enfance, sa petite enfance, qui l'a poussé à ça durant son adolescence? Pourquoi Jeffrey Dahmer est-il devenu un serial killer, selon vous? La grande question, a posteriori, on trouve toujours des signes révélateurs. Mais pourquoi tel individu va passer à l'acte, on ne le sait pas. Hein. Je ne le sais pas, personne ne peut répondre. On comprend l'enchaînement des événements, le pourquoi de tels ou tels actes, mais pourquoi un individu va passer à l'acte alors qu'un autre ne va pas le faire, on ne le sait pas. Il n'a été élevé dans une famille qui était tout à fait à l'abri du besoin. Le père était chimiste, la mère était au foyer, mais c'était une famille où il y avait, dès l'âge de, quand il a eu l'âge de 8-10 ans, des problèmes de dysfonctionnement graves, problèmes d'un divorce qui se passait aussi mal quasiment que dans le film La Guerre des Roses. La maison avait été quasiment divisée en deux, les deux parents ne se parlaient plus, et Jeffrey Dahmer était un enfant relativement négligé. Lorsqu'il commet par exemple son premier meurtre, il est laissé seul dans cette maison depuis presque un mois. À l'âge de 13 ans, à un moment, ses parents partent chacun de leur côté en vacances et lui reste tout seul avec quasiment aucune nourriture dans le frigidaire. Ce qui explique que lui, c'est un enfant assez rêveur, isolé. En classe, il ne se crée pas de camarades. Alors, pour attirer l'attention sur lui, il fait des choses totalement insensées. Par exemple, il marche comme un canard constamment pour se rendre à l'école, ou il marche entièrement pendant plusieurs semaines en ligne droite. C'est-à-dire, quels que soient les obstacles, il va se diriger entièrement en ligne droite pour se rendre à son collège. Dès l'âge de 12 ans, il boit énormément d'alcool, plusieurs litres de bière, commence à fumer des joints, etc. et à faire le clown. Il est considéré comme étant le clown de son lycée, de son collège. Extrêmement timide par ailleurs. Lorsqu'il s'agit pour lui, à la prom night, au bal des débutants, d'inviter une jeune femme, ça lui demande des efforts absolument insensés. Il n'ose pas, ses mains tremblent à l'idée de piquer la fleur dans la robe de la jeune femme parce qu'il a peur de lui percer la peau. Il doit y renoncer parce que ses mains tremblent trop. Donc il y a à ce moment-là aussi cette fascination qu'il a depuis l'enfance aussi sur le fait par exemple son père lui a donné un petit matériel de chimiste comme tout un chacun quand il est enfant a eu ça et lui commençait à disséquer des animaux qu'il retrouvait morts un peu partout puis à les garder, à blanchir les crânes de ces animaux. Et curieusement, on retrouve ces éléments lorsqu'il se met à commettre ces crimes. Mais c'est quelqu'un qui n'a aucun contrôle sur son existence, qui est toujours resté quelqu'un d'extrêmement effacé, qui a rêvé.